Comment se porte la ville de Pointe-à-Pitre? Quelles sont les finances de la ville? Eh bien, aujourd'hui, dans Face à la presse, nous recevons Henri Durimel, maire de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour, Monsieur Friston. Bonjour, Henri Jean Vidal. Bienvenue dans bonjour, cette émission. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Et donc, ce n'est pas le cheminement qu'on a l'habitude de faire, mais ça ne fait rien, on va prendre on va improviser. Donc, parmi nous aujourd'hui, André-Jean Vidal, comme à chaque fois, vous êtes là depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années. Et oui, le temps passe très vite, mais toujours différent, vous avez remarqué? Oui, oui. On se renouvelle tout le temps. Exactement. Avant, c'était, c'était le quotidien local. Maintenant, c'est deux supports numériques. Un service de presse en ligne, Carib Info, 24h/24, voilà. 24h/24, avec une petite équipe. Et un magazine, un e-magazine, vous n'avez pas besoin de vous salir les doigts avec vous, vous avez votre tablette et vous pouvez suivre l'actualité de Guadeloupe, Martinique, Guyane, sur l'hebdo Antilles-Guyane. C'est le premier magazine régional, purement régional. Purement régional. Et adossé à aucun autre support. Hebdomadaire, chaque semaine. Ah, tous les samedis. Super. Alors, on embraye tout de suite. Je vous laisse l'honneur de poser la première question de cette émission. Quand j'ai connu Henri Durimel, nous ne nous tutoyons pas. Je l'ai vu une fois, il était dans un groupe, il n'était pas content du tout. Et je savais qui c'était quand même, hein, il ne me connaissait pas. Et il était vert. Êtes-vous toujours vert? Ah ben plus que jamais, c'est pas juste une posture politique, être vert c'est mon mode de vie, je suis végétarien, je suis attaché à la nature, je suis sportif et je suis attaché à la qualité de vie, je consomme le plus possible local, donc c'est dans mon ADN que d'être un écologiste. C'est très bien, je vous félicite, j'essaie de suivre cette voie-là, même si je suis un peu plus enrobé que vous. Je fais moins de sport, mais je suis assez légumes. Pays. On est tous obligés d'y venir. Hein. Les Verts, souvent, les Verts, l'écologie, c'est souvent un certain nombre de chapelles qui se tirent dans les pattes. Est-ce qu'en Guadeloupe, c'est comme ça? Mais c'est vrai parce que les écologistes sont des gens très naturels, très directs. Ils ne sont pas dans la langue de bois. Et donc, souvent, il nous manque un peu de capacité de conciliation. On est trop dans... rigide, et c'est vrai que chacun se croit plus écolo que l'autre, et on a un petit côté d'odeur de leçon qui affecte nos relations. C'est vrai. Ce qui fait que la gauche, les socialistes, d'autres aussi, la droite aussi, a sa petite touche écologique en profitant de vos dissensions. Peut-être pas, parce qu'on a tellement milité pour l'écologie qu'aujourd'hui ça se généralise et c'est comme si tout le monde il est beau, tout le monde il est écolo, et c'est vrai qu'on n'en a pas le monopole. Donc et pour nous c'est un succès, pour moi c'est une réussite que tout le monde se convertisse à l'écologie et que nous n'en ayons pas le monopole. Pourquoi pas? Et justement le programme écologique sur la ville de Pointe-à-Pitre. Eh bien, il faut un peu d'argent pour faire de l'écologie, malheureusement, même si c'est pour un retour à la nature. Mais nous sommes au stade où l'écologie nous permet d'exiger de nos agents un certain niveau de propreté pour la ville, même si nous ne l'avons pas encore atteint. L'écologie nous permet d'impliquer les citoyens, parce que l'écologie, ce n'est pas que la défense de la chlorophylle, c'est aussi la démocratie participative. C'est l'intelligence collaborative. On ne décide pas tout d'en haut et de cracher les normes que les citoyens sont obligés de respecter. Nous sommes dans la construction collective d'un projet de développement pour la ville. Alors, quel est-il justement ce projet pour la ville de Pointe-à-Pitre en écologie? Mais la ville de Pointe-à-Pitre est une ville littorale qui s'ignore depuis toujours. C'est une ville qui n'a jamais embrassé sa dimension de ville littorale, une ville qui n'a rien à envier ni à Cannes, ni à Nice, et même Saint-John, à Antigua. Donc nous sommes résolument tournés vers la mer, faire que Pointe-à-Pitre soit une ville qui animée par des activités nautiques, de l'Oïciste à Fouillol, une ville qui développe Karokéra Bay, et nous sommes en train de travailler avec le port pour que nous puissions créer cette interface ville, ancienne ville et le port, parce que le port, même on regrette que c'est des barrières qui séparent la ville de la mer, et les Pointois voient très rarement la mer. Donc il faut que nous puissions nous engouffrer dans le domaine maritime portuaire qui permettra à des commerces, à des grandes marques de venir s'installer en Guadeloupe et faire que les citoyens pointois et guadeloupéens bénéficient de la baisse des prix par le jeu de la concurrence et de l'arrivée de nouveaux commerçants.
Donc, ville écologique aussi en mobilité douce. Pointe-à-Pitre, c'est une petite ville de 2,6 km². Donc, on doit pouvoir, en 5 minutes ou en un quart d'heure maximum, se rendre dans n'importe quel endroit de la ville à pied ou à vélo. Donc, réduire la place de la voiture dans le centre-ville, ça aussi, c'est de l'écologie, de la participation citoyenne, comme je vous dis, et la désartificialisation des sols. Nous n'avons pas beaucoup de territoire, mais aujourd'hui, l'État, l'Union européenne, exige que nous retournions à la nature des espaces, puisque, comme vous voyez, la ville est facilement inondée parce que nous avons trop bétonné les sols et l'eau ne pénètre plus dans la terre, mais se répand rapidement sur le territoire, causant des inondations par la vitesse de circulation de l'eau. Donc, ville écologique, Pointe-à-Pitre doit travailler à faire que la rue Vatable, qui est un canal, puisse retrouver sa dimension d'exutoire des eaux de la ville. Et donc, il faut reconstruire la rue Vatable avec, s'il le faut, un pont, que l'eau puisse circuler en dessous de la rue Vatable, puisqu'on a, en ayant comblé ce canal, on a obstrué l'eau. Et aujourd'hui, avec la montée des eaux liées au réchauffement climatique, la moindre construction, on touche tout de suite, les premières fondations, on est tout de suite dans l'eau de mer. Donc, Pointe-à-Pitre a tout à gagner à vivre sa dimension littorale, à intégrer dans les politiques publiques cette proximité de l'eau. Ville universitaire aussi, Pointe-à-Pitre, puisque nous avons une université qui paraît déconnectée, car pour y aller, on a le sentiment qu'il faut traverser Saint-Domingue pour arriver à l'université de Fouillol. Mais nous voudrions pouvoir construire une voie piétonne et cyclable le long du littoral qui permettrait aux étudiants de déambuler de Fouillol à la Darse, venir dans les différents cybercafés ou médiathèques ou autres infrastructures de la ville. Donc une piste cyclable qui partirait du campus jusqu'à la place de la ville. Le long du MAC, traverser la zone et pouvoir venir à pied, en flânant ou à vélo de Fouillol. Ça nous permettrait de faire un enrochement le long du littoral pour protéger notre trait de côte qui est déjà rogné par la montée des eaux. On voit bien que certains restaurants du carénage commencent à basculer dans l'eau. Donc cela nous permettrait de faire l'enrochement et de surplomber cet enrochement d'une voie cyclable ou piétonne. Et je le dis à toutes les rencontres qu'on a avec l'État et Cap Excellence, où on parle de résilience, où on parle d'atténuation des effets du réchauffement climatique et d'adaptation, je leur dis que la première chose à faire pour Pointe-à-Pitre, c'est de renforcer notre côte et de permettre qu'on se balade le long de la côte. Ça coûte excessivement cher, ça. Mais on l'a fait à Basse-Terre. Vous voyez bien que de Rivière-Sens au centre de Basse-Terre, c'est un enrochement que, à l'époque, Mme Michel Chauffry a pu financer avec des fonds européens, des fonds nationaux et autres. Et on ne peut pas nous dire que Pointe-à-Pitre va disparaître, parce que si on ne fait rien, c'est une ville qui est soumise à un aléa de submersion. Donc avec la montée des eaux et le réchauffement climatique, on nous annonce des risques de submersion de la ville. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, il faut protéger nos côtes, mais cette protection ne doit pas nous couper encore plus de l'université de Fouillol. Donc c'est une ville portuaire, c'est une ville universitaire, une ville littorale, une petite ville, avec un carrefour, toute la Guadeloupe vient à Pointe-à-Pitre. Tous les transports communs viennent à Pointe-à-Pitre. Et quand on voyage de Malaisie à Pointe-à-Pitre, c'est Kuala Lumpur, Pointe-à-Pitre. C'est pas Kuala Lumpur, Abim. Donc nous avons une attractivité naturelle, nous avons des atouts naturels, il ne nous manque que l'argent. Et nous irons chercher. André Jean. Voilà. D'ailleurs, deux choses. La première, vous auriez pu dire que c'est Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. On aurait souhaité. Par exemple. Que la route du Rhum soit Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Là, je vous titille un petit peu. Hein, mais c'est route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est ce qui est important. Nous sommes une Guadeloupe unie. Les enrochements et l'aménagement, c'est Basse-Terre. Ça a été fait aussi, ça continue d'être fait à Capesterre. C'est fait au Moule depuis longtemps, c'est fait à Sainte-Anne depuis longtemps. Il n'y a rien que Pointe-à-Pitre. Moi, j'ai vu ça, ce que vous venez de parler, il y a 20 ans, sur des plans au port autonome. C'était ça, c'était cette idée-là de partir, là, et de supprimer même. Maintenant, on est en train de refaire sur le port, au fond, vous voyez, une zone technique. Or, la zone technique, elle devait partir de l'autre côté, à Jarry, de façon à mettre les caboteurs à cet endroit-là et réserver tout le reste des quais ouvert sur la ville, de façon à faire une ouverture. Et ensuite, à partir de la Darse, ça continuait
en passant par Carénage, jusqu'à à la pointe et à l'université. C'est ça qu'il faut faire. Mais pourquoi ça ne se fait pas ? Ça ne se fait pas. Il n'y a pas d'argent. Mais nous, on n'en a pas, mais si tu as. De tels travaux ne peuvent pas être financés que par Pointe-à-Pitre. Ah non, il y a une petite partie qui a été faite quand même comme ça. Oui, de l'OSIS à la gare maritime. C'est un peu comme ça que vous voudriez faire. Prolonger cet arrangement et l'élargir pour que nous puissions marcher dessus. Marcher et puis avoir des vélos. La piste cyclable. La piste cyclable. Parce qu'on va devoir réduire la place de la voiture. Vous voyez la rue de Fribourg, ça ressemble à un cafarnaüm, ça ressemble à un silo. À l'entrée de la rue Fribourg, ça aurait pu être une belle avenue avec des trottoirs beaucoup plus larges, quelques petits arbustes tous les 60 mètres où on peut flâner, s'arrêter, manger une glace, acheter un journal, s'asseoir sur un banc, flâner. C'est blaguer, embouteillé quand même. Blaguer, pardon ? C'est embouteillé. C'est très embouteillé parce que trop de voitures s'engouffrent dans la ville. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez de possibilités de stationnement en périphérie. En entrée de ville, nous devrions pouvoir agrandir les espaces de stationnement. Ça manque. Donc, nous avons ce parking de Bergevin où 500 places sont offertes gratuitement, mais le Guadeloupe a aussi un attachement à la voiture qui est excessif. On n'a pas besoin d'aller avec sa voiture jusqu'à la caisse. Ouais. André-Jean, voilà. Vous avez fait certaines rues qui sont on peut stationner que sur un côté. Oui. Ouais. Plutôt que des deux côtés. Oui, ça existe. Certaines rues, c'est comme ça. Et vous allez multiplier. Pourquoi, par contre, la rue Fribourg aurait nécessité ceci, une semaine d'un côté, une semaine de l'autre côté, etc. Ça aurait permis de dégager plus de place. Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée pour habituer. On pourrait commencer par ça, mais vous savez que les plus attachés au stationnement à la rue Fribourg, ce sont les résidents, les propriétaires de commerce et leurs employés. Donc à 8 heures, vous arrivez à la rue Fribourg, il n'y a plus aucune place pour se garer parce que les tenanciers de boutiques et leurs salariés viennent très tôt et prennent toutes les places. Donc ça ne sert même pas leur clientèle. Ça ne sert pas leur clientèle, ça ne leur sert pas économiquement. C'est une bonne idée. Ce sont des zones mortes. Et donc c'est dommage, mais vous savez, il y a un changement de mentalité parce que depuis quelques temps, l'Union des services et des commerçants de Pointe-à-Pitre organise des journées de rue piétonne. Il y en avait une samedi dernier. Qui devait se dérouler, donc qui s'est déroulée de samedi à. Alors quel est le bilan justement de cette rue piétonne qui s'est passée récemment ? Les échos que j'ai, parce que le deuxième adjoint de la ville est le président de l'USCP, M. François Pelléculier, des échos que j'ai, puisqu'il a échangé avec moi là-dessus ce matin, en réponse à quelques personnes qui protestaient, qui disaient que ça ne leur avait pas été bénéfique, il m'a expliqué que 90% des personnes, des commerçants, considéraient que c'était une réussite. Alors moi, je leur ai proposé qu'on fasse un sondage, qu'on fasse passer un de nos employés avec une feuille où les gens mettraient favorable ou défavorable sur leur approche de cette piétonnisation. Moi, je veux aller plus vite. Donc, quand je vois qu'eux, ils font des opérations ponctuelles de piétonnisation, je suis favorable dans la mesure où je me dis ça habitue les gens à l'idée que ce sont les piétons qui passent à la caisse et non pas les bagnoles. Parce que la plupart des commerçants vous disent « Ah non, si tu enlèves les voitures de la rue Fribourg, les commerces sont morts. » Je leur dis que ce n'est pas les voitures qui passent à la caisse, ce sont des piétons. Et toutes les rues piétonnes du monde, je prends l'exemple de Sainte-Catherine à Bordeaux, ce sont des rues très animées. Et à Pointe-à-Pitre même, la rue la plus animée, c'est la rue piétonne. Bien sûr. Alors, vous parliez un instant, c'est le nerf de la guerre, c'est les finances. Quelles sont les sources de revenus aujourd'hui de Pointe-à-Pitre ? Comment financer tous ces projets ? Ces beaux projets de rue Priatone, de réaménagement du littoral. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État, par la région, le département, voire Cap Excellence ? Alors, très bien, moi je peux vous dire que nous sommes arrivés, nous avons trouvé une ville avec un déficit qui représentait 200% de nos recettes de fonctionnement. C'était combien ? La faillite. Près de 100 millions, non ? Lorsqu'on a entamé la procédure de révocation de l'ex-maire, c'était 90 millions qui étaient annoncés. Et depuis que nous sommes élus, nous avons mis en place une convention avec l'État, le CORUM, contrat de redressement outre-mer. Et en vertu de ce contrat, l'État nous verse chaque année, depuis l'année dernière, donc ça va être la deuxième année, 1 million. L'année dernière, ils ont payé pour nous 1 200 000 euros de factures qui stagnaient à la perception depuis plusieurs années, qui généraient 2 millions d'intérêts moratoires chaque année. Donc ils ont payé 1 200 000 euros pour nous, pour permettre à des petits commerces et des petites entreprises guadeloupéennes d'avoir un peu d'oxygène. Donc en vertu de cette convention CORUM, l'État nous a mis à disposition un expert, en l'occurrence une experte, Madame Emmanuelle. Et j'entends les élus le dire que depuis qu'elle est arrivée cette dame, c'est comme si on était dans une caverne dans le noir et qu'elle a allumé la lumière, puisque ça nous a permis de faire
l'opération Vérité, le trois l'étage des comptes de la ville qui ont fait apparaître que le déficit était de 90 millions parce qu'il y avait des dépenses dont on ne justifiait pas les avoir déjà payées. On ne savait même pas de quels actifs la ville disposait pour que nous ne payions pas de taxes foncières sur des biens qui ne sont plus à nous. Le Centre des Arts, par exemple, a été transféré à Cap Excellence. On ne peut plus payer la taxe foncière pour ce bâtiment qui n'est plus à nous. Il en était ainsi de la Renaissance aussi. Donc, il y a un trois l'étage qui a été fait. Et nous avons également fermé les vannes du gaspillage. Et aujourd'hui, au 31 décembre 2021, c'est un déficit de 30 millions d'euros, 37 millions d'euros que nous avons, bien loin des 47 millions qui étaient projetés par la Chambre régionale des comptes. Donc on a fait mieux que la trajectoire que la Chambre régionale des comptes nous imposait. Et nous espérons finir 2022 avec 20 millions de déficit. La principale dépense de la ville de Pointe-à-Pitre, c'est quoi? C'est des dépenses de fonctionnement avec un gros pourcentage de dépenses du personnel. La ville de Pointe-à-Pitre a un personnel pléthorique. C'est triste, mais nous ne pouvons rien faire contre puisque ce sont des fonctionnaires. 99%, 100% sont des fonctionnaires puisqu'on avait deux contrats qui sont arrivés à leur terme et que je n'ai pas renouvelé, notamment pour le directeur des affaires financières qui a démontré qu'il était plus pour un comptable du privé qu'un comptable connaissant la comptabilité publique. Donc nous avons avec Mme Emmanuel cette experte que l'État a mise à notre disposition. Nous avons donc enclenché une trajectoire de redressement. Et ça coûte excessivement cher? Mais on ne paye rien, nous, ça ne nous coûte pas. C'est un autre service gratuitement. Pointe-à-Pitre bénéficie de la meilleure directrice des finances qu'on puisse avoir sur le territoire aujourd'hui, expert en finances qui était à Kourou en mission, qui est en Guadeloupe maintenant et qui nous aide à redresser cette ville véritablement, qui nous permet de mettre en place des échéanciers. Vous savez que la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre ne payait pas les cotisations sociales. Quand j'entends certains jaser sur les médias et que leurs proches présidait la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre sans payer les cotisations à la Caisse nationale de retraite. Vous avez des gens qui travaillent à la ville de Pointe-à-Pitre et à la Caisse des écoles pour lesquels on n'a pas cotisé pendant plusieurs années. Comment donc ça se passe alors? C'est nous qui avons mis en place un échéancier aujourd'hui pour payer en même temps que les cotisations courantes les arriérés, pour éponger ces arriérés et permettre que les personnes qui partiront à la retraite pourront percevoir leur retraite. C'est une chance pour nous puisque sur les 700 personnes que la ville paye à la Caisse des écoles, au CECAS et dans l'administration, nous espérons que 200, d'ici la fin de notre mandat, que 200 partiront à la retraite. Donc nous n'avons pas à licencier, nous n'avons pas à renvoyer des gens, nous avons à faire une gestion saine. Nous avons payé 1 200 000 euros récemment de rappel de salaire qui était dû au personnel qui n'était pas payé puisque leur carrière n'avait pas été régularisée, redressée comme il le fallait. Donc nous avons procédé à la régularisation des carrières et payé 1 200 000 euros. Nous avons adhéré à la Caisse nationale d'action sociale qui permet aux employés de la ville de bénéficier de prestations en cas de décès, de départ à la retraite, de passage du permis. Donc j'ai pris un soin particulier à l'égard de ce personnel, parce que, comme je leur dis, je ne peux pas aller à la guerre pour redresser Pointe-à-Pitre sans une armée forte. Or, le personnel, c'est notre armée. Donc, ceux qui trouvent que nous caressons dans le sens du poil, je laisse cette critique à leur compte, puisque je sais que si nous ne motivons pas le personnel, nous n'allons pas pouvoir accomplir notre mission, et je pense que le personnel le comprend bien. André-Jean Vidal. Souvent, enfin, plusieurs fois, depuis votre élection, vous avez fait des opérations nettoyage, vous êtes là, en tenue, on sent que vous avez vraiment l'art du coutelas et de la binette pour enlever les racines. Hein. Vous êtes accompagné. Est-ce que les employés municipaux sont invités? Est-ce qu'il y en a qui viennent? Les employés sont invités. Les agents municipaux sont invités. Beaucoup participent. Il y en a qui ne participent pas, mais beaucoup participent. Et les entreprises aussi nous aident. Plus d'une trentaine d'entreprises sont venues à notre secours, des entreprises auxquelles parfois nous devons de l'argent et qui, la confiance que je restaure, fait qu'elles me disent « Monsieur le maire, on veut vous aider, car on voit que vous faites des efforts et que dès qu'il y a de la trésorerie, vous nous payez ».
Donc les citoyens aussi, les associations prennent une grande part. Et c'est plus au-delà du nettoyage. C'est une cohésion. C'est une cohésion sociale. C'est un sentiment d'appartenance à la ville que nous développons. Et l'attachement à ce qu'on a nettoyé, on ne le salit pas. Quand on nettoie devant sa porte, on veille à ce que le tiers ne vienne pas y déverser des déchets. Donc cet état d'esprit est en train de transformer Pointe-à-Pitre. On voit bien que c'est une ville en ébullition, où chaque week-end il se passe quelque chose. Les associations sont valorisées, le personnel est valorisé et mis à l'honneur. Lorsqu'il y a un agent qui se signale par un engagement dans sa mission, on le met en photographie, on le filme, on le met sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que leur ville est propre grâce à M. Pombo, par exemple, qui est sur la place de la Victoire. Donc la démarche de grand nettoyage citoyen vise à transformer les mentalités, vise à faire que Pointe-à-Pitre ne soit pas l'affaire d'autrui, mais l'affaire de nous tous. Et je pense qu'on y arrive. Parce que quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Et quand il n'y a pas d'argent, comme je leur dis, on n'a pas d'argent, mais on a les gens. Et les gens, c'est une richesse à Pointe-à-Pitre. Bien, merci Monsieur le maire. Alors nous aussi, on a besoin d'argent, donc c'est l'heure de la publicité.